Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur Utip. Merci et bonne vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos, mais j'aime beaucoup les bandes dessinées. En fait, j'aime énormément lire et d'un peu de tout. Dans ma bibliothèque se côtoient Jules Verne et My Hero Academia sans aucun problème. Mais je dois dire avoir clairement une petite préférence pour les œuvres illustrées. Que ça soit des mangas, des comics ou de la BD franco-belge, j'apprécie énormément les œuvres alliant écriture et dessin. Et si j'ai été pas mal biberonné à la BD par mes parents, finalement je sortais assez peu des grands classiques que sont Astérix, Tintin, Lucky Luke ou encore les Schtroumpfs. J'ai lu des vieux trucs un peu plus difficiles ou un peu moins connus, genre Les Pieds Nickelés, Blake et Mortimer ou des vieux exemplaires du journal de Mickey, mais dans l'ensemble j'ai essentiellement lu de la bonne BD à papa que tout le monde connaît. Et du coup j'ai découvert un peu sur le tard les mondes du manga et des comics, j'étais alors fin collège début lycée, et ça a été une révélation sur beaucoup d'aspects, car que ça soit outre-Atlantique ou dans l'archipel nippon, on ne raconte pas ni les mêmes histoires ni de la même manière qu'en Europe. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai un peu lâché la BD franco-belge, notamment parce que j'avais de plus en plus de mal à me retrouver dans ce que ce genre produisait. On en fait beaucoup de la BD dans le monde francophone, mais à part 2-3 séries qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, notamment De Cap et De Croc que je considère être la meilleure BD francophone de tous les temps, la majorité des œuvres n'arrivent pas à dépasser le tome 1, essentiellement parce qu'on a un système de production et de diffusion complètement pourri. Et ouais, au-delà du mariage entre dessin et écriture, il y a vraiment des différences fondamentales entre toutes ces écoles, qui font que personnellement aujourd'hui, je me retrouve plus dans le manga que dans les comics par exemple. Mais ça reste un goût personnel, et dans tous les cas, j'aime bien les autres supports quand même. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu chauvin. À l'occasion de la sortie du remaster d'Astérix et Obélix XXL, remaster, vous l'avez ? Et pour me changer les idées pendant la production de mon docu en cours, j'avais envie de faire une petite rétrospective sur les adaptations de BD franco-belges en jeux vidéo. Mais c'est aussi et surtout pour voir si la fameuse idée comme quoi les adaptations de BD c'est généralement pas terrible est fondée ou pas. Il existe plus de 150 jeux référencés comme adaptations vidéoludiques de BD franco-belges, donc évidemment je ne vais pas pouvoir parler de chaque titre individuellement, sinon ça tiendrait pas en 20-25 minutes. D'ailleurs je vous ai mis la liste que j'ai compilée en description, à mon avis il en manque quelques-uns mais c'est pas les plus importants. Mais je vais quand même vous embrosser un portrait global, en m'arrêtant sur les jeux les plus intéressants. Alors, ça fait un moment que le monde de la BD s'est lié au monde du jeu vidéo. Le plus vieux que j'ai trouvé étant les Schtroumpfs au château de Gargamel sur ColecoVision et Atari 2600 en 1982. Évidemment, ces très vieux machins ne sont pas vraiment des super jeux. Il s'agit de jeux de plateforme avec de gros guillemets, où l'objectif est d'aller de gauche à droite sur une petite dizaine de tableaux en sautant par-dessus un ou deux obstacles. Et une fois la Schtroumpfette atteinte, ce qui prend approximativement une ou deux minutes selon le support, le jeu reboucle. Je rappelle que les jeux de cette époque c'était 80€ d'aujourd'hui à l'achat, bonjour la rentabilité. La difficulté de ces jeux résidait surtout dans leur maniabilité affreuse à cause de leur support de toute façon. Mais ces deux pauvres jeux ont été le coup d'envoi pour une myriade d'autres titres issus des plus grands succès de la BD francophone, et le plus présent d'entre eux avec 37 jeux au compteur est bien évidemment Astérix. Ai-je vraiment besoin de vous présenter Astérix ? Deuxième bande dessinée la plus vendue au monde avec 100 millions en moins par rapport à One Piece, mais pour plus de deux fois moins de volume, le petit irréductible gaulois moustachu est vraiment l'emblème de la BD francophone, et d'une certaine manière de l'esprit français. Cette série de BD satirique parodie principalement la société française contemporaine, mais aussi paradoxalement la caresse un peu dans le sens du poil en utilisant des éléments issus du roman national, comme le fameux Nos ancêtres les Gaulois qui sert d'univers de base à la série. Le tout dans un dessin semi-réaliste, dynamique, avec une écriture bourrée d'humour faisant la part belle aux anachronismes et à l'autodérision. En bref, tout ce qu'il faut pour faire un succès en France, mais aussi à l'étranger grâce à l'alternance des aventures se passant hors de la Gaule. Et c'est ce succès retentissant qui a motivé pas mal d'éditeurs de jeux vidéo à produire des jeux Astérix du début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que dès le début, ça se sentait que la licence Astérix était là pour faire vendre et pas pour faire des bons jeux. J'en veux pour preuve les deux premiers jeux issus de l'univers des Gaulois. D'abord le premier, Astérix sur Atari 2600 en 1983, qui est... vous le voyez quoi, c'est de la merde. En fait, faut récupérer les trucs, là je sais pas trop ce que c'est, en déplaçant la tête d'Astérix de ligne en ligne, tout en évitant ce que je suppose être les Romains. D'ailleurs, ce jeu est tout simplement le jeu de Taz, toujours d'Atari, auquel on a juste changé les sprites. MDR, 80 boules, je le rappelle. Et le second jeu est Obélix sur la même machine en 1984 où, alors c'est un peu différent, il y a Obélix qui se balade sur l'écran et qui balance visiblement des menhirs, mais on joue encore Astérix alors que le jeu s'appelle Obélix et je comprends pas trop comment ça fonctionne cette histoire. Donc clairement de la merde fait pour vendre en surfant sur la licence.
et malheureusement ça va pas trop s'arranger avec le temps. Évidemment, lors des générations 2 et 3, à cause des limitations techniques des machines, on était souvent sur des jeux d'action plateforme très pauvres en termes de graphisme et de gameplay, l'achat de la licence engloutissant généralement le maigre budget. La troisième génération de consoles verra l'arrivée de la société Infogram dans la balance, et avec elle une ribambelle de jeux adaptés de bandes dessinées franco-belges. Des jeux qui souvent étaient très beaux et très fidèles aux matériaux de base, mais aussi d'une difficulté complètement abusée, tout ça pour cacher la durée de vie misérable du jeu, héritage d'un fonctionnement de l'arcade. Ouais, quand on sait qu'Infogram a failli s'appeler Zboob System, c'est marrant de se dire qu'ils se sont finalement spécialisés dans la conception d'enfilades vidéoludiques. Mais en vrai, les jeux Astérix de cette période, que ce soit les jeux Infogram chez Nintendo ou ceux de Sega, à part The Great Rescue, ben ils sont pas trop mal. Ça reste toujours la même chose par contre, de l'action plateforme répétitive à outrance, avec une gourde de potions magiques en remplacement d'étoiles de Mario, mais en même temps, faut dire que les BD Astérix c'est quand même assez pauvre pour en tirer du gameplay. Le fonctionnement des BD c'est souvent balade, baston, etc. Ce qui donne soit des jeux de plateforme avec un peu d'action, des beat'em up ou des party games. L'arrivée de la 3D et des films live changera légèrement la donne, pour le pire comme pour le meilleur. Le film Astérix et Obélix contre César donnera l'immonde jeu party game sur PlayStation que le JDG a déjà testé, et qui est clairement le pire jeu Astérix à ce jour. Même si je trouve la version Game Boy Color encore pire, avec des acteurs digitalisés en gros plan qui rendent le tout limite flippant. Mais le meilleur de tous les jeux Astérix reste le Astérix et Obélix XXL de 2003 qui a été remasterisé cette année et qui, faut bien avouer, n'est finalement pas terrible. Pour l'époque, c'était franchement cool, fluide, respectant bien l'univers graphique de la BD, dans une bonne 3D, quelques problèmes de caméra mais ça reste dans le ton de l'époque, c'est un bon beat'em up où on s'éclate à tabasser des Romains en boucle. Pour un enfant de cette période, je comprends parfaitement le kiff qu'on pouvait se faire sur ce jeu, mais pour aujourd'hui, 17 ans plus tard, ça se sent quand même que le gameplay a vieilli. Dans le remaster, l'idée de pouvoir switcher instantanément entre les graphismes anciens et nouveaux est une super idée, bien qu'un peu gadget, mais rien du reste n'a été retouché. Du coup, on se retrouve avec des bonnes grosses stars typiques du début des années 2000, comme les bugs de collision et de caméra, ou la répétitivité et la longueur des combats. Et ce sont d'ailleurs des problèmes qui se retrouvent encore des années après dans le XXL3 sorti l'année dernière. C'est une constante dans tous les jeux Astérix de ces 20 dernières années, des jeux qui respectent l'univers de la BD, mais qui sont franchement moyens. Bah du coup, allons voir d'autres licences. Les deux autres gros machins ayant produit pas mal de jeux vidéo sont les Schtroumpfs et Lucky Luke. Ces deux licences sont très intéressantes, car si les albums ont été moins vendus qu'Astérix et d'assez loin, à l'international ces univers sont bien plus connus, notamment aux États-Unis qui ont au contraire toujours boudé l'univers des irréductibles gaulois. Pour Lucky Luke, ça peut s'expliquer facilement par l'utilisation de la mythologie du Far West américain, bien plus connue que le folklore français d'il y a 2000 ans. Pour les Schtroumpfs, c'est surtout grâce au carton de leur adaptation animée par le studio Hanna-Barbera de 1981 et son générique bien connu. Cette série de 303 épisodes et 9 saisons tout de même avait été bien évidemment conçue à l'origine comme support pour vendre tout un tas de peluches Schtroumpfs au pays de l'oncle Sam. Ce qui fut le cas, les peluches Schtroumpfs que l'on trouve dans le commerce sont avec le design de la série et non de la BD. Il y aurait tout un tas de trucs super intéressants à dire sur cette série et l'enfer que ça a fait vivre à Peyo, mais pour aujourd'hui je vais me concentrer sur les jeux. Pour Lucky Luke, ça va être assez vite fait. L'idée de la BD lui permet d'éviter de tomber dans le piège des plateformes beat'em up à outrance d'Astérix, mais l'a fait tomber dans les travers des jeux d'il y a 30 ans. Le plus parlant étant encore une fois le jeu Lucky Luke d'Infogrames sur Super NES. Visuellement très fidèle à la BD, le pitch est, comme la moitié des albums, d'aller rechoper les Dalton qui se sont encore échappés. On y retrouve des niveaux sympas mais qui se répètent un peu, les fameux niveaux en scrolling horizontal où il faut éviter les obstacles qui arrivent devant, les mini-jeux entre chaque. Un bon jeu si on nommait le fait qu'on a vu la même chose 100 fois ailleurs, et qu'il est vraiment affreusement dur. Si vous avez vraiment envie de le faire, je vous conseille le Lucky Luke Wanted sur GBA, qui est un portage du jeu SNES, mais en plus simple et avec tout plein d'améliorations comme des petites animations un peu partout. Donc ouais, la quasi-totalité des jeux Lucky Luke repose simplement sur ces mêmes gimmicks. Incarner Lucky Luke dans une aventure où il faut généralement retrouver les Dalton, composé de plusieurs niveaux linéaires où il faut jouer du Colt pour se débarrasser des ennemis, dont éventuellement des niveaux à cheval ou dans ces putains de trains de la mine, le tout entrecoupé de mini-jeux. Et je viens juste de vous décrire 90% des jeux parus entre 1990 et 2005 là, et c'est là tout le souci. Cela étant, les derniers jeux estampillés Lucky Luke se sont un peu éloignés de cette formule pour se tourner vers les party games, ou les jeux de stratégie en temps réel. Sauf que ça s'est aussi fait avec un changement de support, les derniers jeux étant uniquement sortis sur mobile, et plus rien depuis 2015. Une fin un peu triste pour ce cavalier solitaire, vous trouvez pas? Pour les lutins bleus, c'est un peu la même histoire. Les premiers jeux sur les machines de seconde génération étaient assez... limités on va dire.
À partir de la génération suivante apparaissent les premiers jeux Infogrames et Rebelote même histoire. Les Schtroumpfs et les Schtroumpfs autour du monde étaient de la plateforme très jolie, mais avec une histoire bateau et affreusement dure. Le cauchemar des Schtroumpfs sur GBA était pas mal, mais on retiendra surtout les super musiques. Et après, c'est le passage à la 3D qui s'effectuera sur PlayStation, avec un Schtroumpf dans la même veine que les opus de la gêne précédente, mais pour le coup beaucoup trop simple. Ensuite, c'est le passage par les titres PC à orientation plus éducative, avec notamment les Schtroumpfs Sauve la Nature, un jeu vraiment visuellement très très fidèle à la BD, et finalement très agréable. Je l'ai poncé quand j'étais gamin et j'avais peur qu'il ait mal vieilli, mais en fait ça va franchement. Bon, évidemment j'ai passé l'âge des jeux éducatifs, mais l'univers est si bien retranscrit que c'est toujours aussi plaisant. Après, il y a eu une assez longue pause, mais à la sortie des films live en 2011 et la revente de la licence à Ubisoft, la machine s'est remise en marche, pour malheureusement produire essentiellement des party games, des dancing games, pour finir par des jeux dans le style Jetpack Joyride sur portable. Et là, pareil, ça fait un moment qu'il n'y a plus eu de jeux Schtroumpf. Et pour les dernières licences ayant eu plus de 5 jeux, c'est toujours la même chose. Tintin, par exemple, a suivi presque le même chemin que les Schtroumpfs. Des jeux infogrames très jolis mais tellement hardcore que le JDG en a fait une de ses premières vidéos, puis des jeux en 3D moins jolis mais du coup beaucoup trop simples, pour finir dans le total oubli par la suite. Même les adaptations du film de Spielberg n'ont pas réussi à relancer la sauce. Pourtant, ils étaient plutôt corrects, même si Tintin, qui d'habitude n'aime pas se battre, a un peu tendance à faire des prises de catch briseuses de nuque dans cela. Et la dernière grosse licence de ma liste est une beaucoup plus récente, c'est Titeuf. Bon, c'est clairement pas l'univers que je connais le plus, mais je connais les bases de la BD dessinée par Zep. L'histoire d'un ado comme il en existe beaucoup d'autres appelé Titeuf, vivant dans une famille moyenne dans un quartier de banlieue, qui découvre la vie et le monde adulte avec ce que ça comprend de questionnements en tout genre et de bêtises au passage. Et au final, les jeux tirés de cette licence, quasiment tous faits par Infogrames mais sous le nom d'Atari, sont des party games, vu que la BD est trop récente pour avoir participé à la vague des plateformeurs d'Infogrames, et que ça colle plus avec l'univers de la BD. Notamment, les très nombreuses bêtises de Titeuf sont retranscrites sous forme de mini-jeux, généralement un peu crado, et ça fonctionne au final plutôt bien. Si c'est pas toujours excellent, hein, des fois c'est juste sans intérêt, par exemple le jeu Titeuf le film c'est juste un party game avec seulement 9 mini-jeux, je me suis vraiment bien amusé sur Titeuf méga compète. Et voilà, en seulement 5 licences, on a fait le tour d'à peu près les 2/3 des jeux tirés de BD francophones. Et le tiers restant, me direz-vous ? En fait, c'est surtout les années 80-90 qui ont vu à peu près tout et n'importe quoi adapté en jeux vidéo. Par exemple, il existe des jeux Bob Moran, faits par Infogrames. Oui, encore eux. Le dernier jeu Bob Moran Océan sur Amiga est d'ailleurs techniquement franchement impressionnant pour l'époque, notamment avec sa superbe cinématique d'intro. Mais sa difficulté complètement abusée et sa redondance typique des jeux de l'époque en font un titre seulement passable. Dans les autres trucs chelous, il y a eu des jeux Blake et Mortimer, cette BD ultra verbeuse qui ressemble plus à un roman graphique qu'à une BD, dont un titre tout chelou sur Amstrad où je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. On trouve aussi deux jeux Les Passagers du Vent, encore de l'infogramme sur Amstrad, où là en fait on ne joue quasiment plus. C'est censé être une aventure textuelle, mais on fait juste que passer des cases dans ce qui semble être un décalque numérique de la BD. Formule qui sera légèrement reprise et boostée 3 ans plus tard pour leur adaptation de La Quête de l'Oiseau du Temps. Et dans les trucs encore plus bizarres, je suis tombé sur un jeu Metal Hurlant, un Battle Arena sur Dreamcast, un jeu Bob et Bobette, alors que je suis sûr que plus personne ne connaît cette licence depuis 40 ans, en France je précise, car en Belgique, son pays d'origine, elle est encore très connue, mais c'est avant tout une BD en langue néerlandaise qui a toujours eu du mal à s'imposer dans le monde francophone. Un immonde jeu sur PSP Lanfeuse de Troyes, ou encore dans les trucs plus crades mais dans un autre genre, une sorte de Doodle Jump, mais avec un skin Gaston Lagaffe. Ah non, mais je pense que les mecs chez Atari, ils ont vraiment tout essayé. Que ça soit sous le nom d'Infogrames ou sous le nom d'Atari pour faire vendre à l'étranger, je pense qu'ils ont vraiment tenté toutes les licences qui pouvaient s'adapter un peu en jeu vidéo. Et pour la petite histoire, ça vient du fait que les deux fondateurs d'Infogrames étaient de vrais gros fans de BD francophones, et n'ont pas arrêté de pousser pour que la boîte devienne une référence dans le genre. Et si leur production était rarement des bons jeux, il faut bien avouer qu'on sent que ça a été fait par des vrais fans, et ça on peut pas leur enlever. Bien sûr, ils n'ont pas fait tous les jeux présentés ici. Aujourd'hui, l'éditeur qui a tendance à reprendre les licences de BD francophones, c'est Microids, qui est d'ailleurs derrière les derniers Astérix XXL, mais aussi le remaster de 13. Un des rares vrais bons jeux de ma liste. Parce que oui, une certaine constante dans tous les jeux que j'ai pu parcourir et tester, c'est qu'ils sont pas ouf. Il y a des purges, clairement.
Genre les adaptations d'Astérix et Obélix contre César, c'est des vraies horreurs. Mais la plupart du temps, on se retrouve face à des jeux un peu bateaux, souvent très proches visuellement de la BD, mais souffrant d'un cruel manque de gameplay intéressant, de gros problèmes d'équilibrage et de difficultés, et plus généralement d'un manque global d'intérêt tellement les concepts présentés ont été vus et revus. Mais des fois, on tombe quand même sur de très bons jeux. Le 13 dont je viens de parler, la version de 2003, était franchement très cool. C'était le tout premier FPS cel-shadé, conservant toujours cet aspect BD jusque dans la mise en scène, lui donnant un vrai cachet. Et le multi en ligne ne gâchait rien, à une époque où les Call of n'étaient pas encore passés par là. Et dans les bons jeux plus vieux, il y a North and South, une adaptation très connue des Tuniques Bleues par Infogrames en 1989 qui n'a vraiment pas pris une ride. C'était le Total War de l'époque, une map en déplacement tour par tour avec les différents comtés des États-Unis, une gestion des ressources et des unités, des combats en temps réel avec différents types d'unités, des prises de fort ou de détournement de train, le tout disponible en versus. C'était vraiment ouf. Mais ces très bons jeux ne sont pas la norme dans mon corpus. La plupart sont tout simplement moyens et très souvent inintéressants. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire mieux que ça. Déjà parce que tout bêtement, les bons jeux ne sont pas légion, surtout si on remonte dans le temps. Plus on regarde en arrière, plus on remarque que nombre de jeux se sont lamentablement ratés parce que la grammaire du jeu vidéo était encore en train de s'écrire, là où aujourd'hui, elle est plus ou moins fixée. Ensuite, je pense tout simplement que la BD francophone n'est pas vraiment faite pour être adaptée en jeu vidéo. C'est une impasse pour moi. Tenez, pourquoi la grande majorité des jeux Astérix sont des plateformes action avec un peu de beat'em up, le tout généralement pas très intéressant? Eh ben tout simplement parce que la BD ne permet pas franchement de faire plus que ça. Dans Astérix, comme je l'ai dit, c'est souvent l'alternance d'un moment de balade et discussion et d'un moment où un groupe d'ennemis se fait dérouiller très vite. En jeu, le plus simple est d'en faire une suite de couloirs avec des plateformes, entrecoupées de zones un peu plus ouvertes où la puissance des deux Gaulois peut s'exprimer. Sauf que, comme dans la BD, ils roulent sur les adversaires grâce à la potion magique, et leur équipement ne permet pas des masses de fantaisie dans les coups possibles, la majorité des combats se finissant par les Romains qui s'envolent d'un simple coup de poing. La logique de l'univers de la BD bloque les possibilités, et ça se ressent loin dans le gameplay. Impossible de leur affubler une quelconque méthode de progression classique de jeux vidéo, comme des compétences, des niveaux ou des équipements, parce que l'inexistence de concepts similaires dans tous les opus de la BD nous sortirait direct de l'univers. On peut pas donner une hache ou une armure à Obélix par exemple, sans que ça fasse hyper bizarre. Pareil pour le côté plateforme. Dans Mario Odyssey, ou même dans les opus précédents, Mario est accompagné de Capi, qui lui permet de morpher dans ses adversaires et d'utiliser leurs compétences, ce qui redonne un coup de peps à la simple plateforme. Capi sort de nulle part, mais dans l'univers de Mario ça ne choque pas du tout, car c'est pas exactement le truc le plus étrange, et on comprend instinctivement qu'il a été créé pour une mécanique de gameplay. Dans Astérix et Obélix, on peut pas se permettre ça, l'univers ne permet pas ça, du coup le gameplay reste très standard, et toutes ces limitations font que les jeux se maintiennent dans un carcan qui finit par les bloquer et les faire ressembler à tous les autres. Cette situation se retrouve dans à peu près tous les jeux que j'ai parcourus. Quand on savait pas trop comment adapter une histoire, c'était soit de l'aventure textuelle avec des guillemets, qu'on prenait juste de la BD en plus moche et sur un écran, soit de la plateforme basique dans les cas où il y avait un peu d'action, parce que c'était plus simple à faire et que généralement à peu près tout pouvait coller. Plus tard, ce seront les party games et les clones des grands succès du mobile qui seront à l'honneur. Là encore, on retrouve le problème de la limitation par l'univers, qui fait que là où Mario et ses potes peuvent se permettre des party games vraiment complets et loufoques, de par leur univers composé d'éléments n'existant que par et pour le jeu vidéo, dans le cas d'une adaptation de BD, on est encore une fois bien plus restreint par la réalité d'un univers déjà existant, avec ses propres contraintes et ses enjeux, qui ne matchent pas toujours avec les gimmicks du jeu vidéo. Après, on peut s'en foutre de ces contraintes-là, c'est finalement ce qu'ont fait les meilleurs jeux d'ailleurs. Je veux dire, North and South par exemple, ça a beau être une adaptation des Tuniques Bleues, à part l'esthétique, l'époque et les designs qui sont repris de la BD, le gameplay à la Total War n'a rien à voir avec les histoires du sergent Chesterfield et du caporal Blutch. Dans la BD, ils vivent des aventures de soldats durant la guerre de sécession, là on refait la guerre de sécession de la BD, c'est pas la même chose. C'est pareil pour 13, si dans la BD c'est un agent infiltré au grand cœur amnésique, El Cascador même si vous voulez, c'est pas non plus El Massacreur tel que dépeint dans le jeu. Si ça a du sens d'en faire un Rambo surburné capable de tuer la population d'un petit pays dans la diésèse propre à un jeu vidéo, ça fait un peu bizarre par rapport à la BD. D'ailleurs à ce sujet, je suis bien content que dans les adaptations de Largo Winch, une autre BD de Van Ham, il n'ait pas transformé Largo en machine à tuer. Bref, tout ça pour dire que faire un jeu vidéo adapté d'une BD francophone, c'est un sacré paquet de contraintes. Une contrainte de budget par rapport à la licence, une contrainte des fans par rapport à l'univers tel qu'il doit être dépeint, une contrainte imprimée par la logique de l'univers adapté, et une contrainte qui vient finalement surtout de la façon dont les auteurs franco-belges pensent et ont pensé leurs œuvres.
Parce que dans un manga neketsu japonais, genre Naruto, ça a du sens d'en faire un battle arena, parce que le manga est structuré de cette manière, et il y a assez de matière pour en faire suffisamment. Les persos ont des coups spéciaux et tout, c'est limite fait pour. Dans un comics de super-héros, pareil. Les comics, c'est une suite de grosses bastons avec des phases de discussion entre les personnages. Donc un jeu comme Marvel's Avengers, quand bien même il est pas terrible, retranscrit bien dans sa structure et sa manière de mettre en scène l'idée véhiculée par les comics de super-héros qu'il adapte. Allongeant simplement les phases de baston en y insérant le gameplay de combat fidèle au personnage, notamment grâce aux super-pouvoirs bien plus faciles à jeu vidéoiser qu'une gourde de potions, et les phases de discussion en y mettant les cinématiques. Mais dans une BD francophone, on n'a généralement pas ces opportunités-là. Vous imaginez un jeu de baston Tintin, avec Haddock qui fait des prises à tournesol qui lui met des coups de savate? Non, ça colle pas. Ce qui fait que vous vous retrouvez souvent avec soit un potentiel bon jeu mais qui ne fait pas sens par rapport au matériau de base et qui finalement aurait pu être un jeu original, ouais, parce que les schtroumpfs qui dansent sur du Michael Jackson, j'ai envie de dire, niquez-vous. Soit des jeux souvent médiocres car faibles sur tous les points, mais respectueux de la BD. C'est l'un ou l'autre, car dans la bande dessinée francophone, les deux semblent vraiment incompatibles. Au final, je pense que les deux supports sont juste trop différents. Les cases, les phylactères, le découpage, l'ordre de lecture, le jeu sur les perspectives, plein d'éléments de la BD se rapprochent bien plus du cinéma et de l'animation que du jeu vidéo, surtout si on y rajoute la structure narrative, souvent très proche d'un storyboard. C'est pour ça que finalement les meilleures adaptations de BD sont souvent des séries d'animation, parce que c'est bien plus proche de l'existant. Le gameplay d'un jeu et tous les codes associés arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Et au final, les Américains de chez LucasArts et Telltales ne se sont finalement pas trompés en adaptant des comics plus calmes tels que Sam & Max, Freelance Police, non pas en jeu d'action, mais bien en point and click, beaucoup plus proche d'une série d'animation, mais avec un peu de gameplay par-dessus, et surtout très peu invasif. D'ailleurs, une des grosses bonnes surprises de ma liste a été le jeu Jandou, sorti l'année dernière, qui est un jeu d'aventure point and click que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un des rares de la liste de ce genre en fait. C'est dommage, parce que la BD francophone est généralement trop verbeuse ou ne correspond pas structurellement avec les jeux d'action, ne colle pas avec les plateformes, mais passerait plutôt bien avec les point and click. Mais en fait, la raison pour laquelle c'est toujours les mêmes genres de jeux qui sont adaptés, c'est parce que la licence n'est pas là pour faire un jeu qui permettrait d'étendre un univers créé. Non, elle est là uniquement pour vendre un produit, en capitalisant sur le rapport affectif que l'on a avec les personnages du matériau de base. Et derrière, étant donné que la licence sert avant tout de support de vente, il y a moins à se creuser la tête pour faire un bon jeu. De toute façon, ceux qui voudront jouer au jeu sont d'abord clients de la BD en premier lieu. C'est triste à dire, mais malheureusement, depuis le début, de la même manière que les jeux tirés de marque, les jeux tirés de BD sont avant tout des produits publicitaires. Et c'est souvent ce qui les plombe. Du coup, pour finir et pour répondre à la question posée au début, oui, je pense que les jeux tirés de BD, c'est de facto pas terrible. Ou alors c'est des bons jeux, mais des mauvaises adaptations. Même si, pour être tout à fait franc, ce n'est pas une loi immuable, il y a des exceptions, et heureusement. Cependant, c'est avec un certain soulagement que j'ai remarqué que ces dernières années, la mode des adaptations foireuses semblait quelque peu passée. Je préfère largement une bonne série d'animations tirée d'une BD que j'aime beaucoup, plutôt qu'un jeu médiocre que j'ai vu 1000 fois auparavant. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu. Je sais, j'ai pas mal survolé le sujet. Peut-être que je parlerai plus en profondeur d'une ou deux licences un jour, mais bon, Edward a déjà fait pas mal de très bonnes vidéos sur la plupart des séries dont j'ai parlé ici, donc je pense pas tout de suite. Ou alors je parlerai aussi des adaptations animées. En fait, c'est surtout pour me changer les idées que j'ai voulu faire cette vidéo. Ouais, parce que la préparation de mon documentaire était salement en train de me miner le moral. De par la charge monstrueuse de travail qu'il représente, les questions que je me pose quant à sa forme, le sujet qui, spoiler alerte, sent de plus en plus la merde au fur et à mesure que je creuse, j'avais vraiment besoin de changer d'air. Pareil avec la réalité ultra anxiogène qui nous entoure, franchement, remettre la tête dans les BD de mon enfance, ça m'a fait plaisir. Du coup, je pense que je vais continuer dans cette direction des vidéos réfléchies, mais pas trop prises de tête non plus, comme celle-là. D'autant plus que le retour du confinement est venu un peu niquer tous mes plans. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos où je reviens un peu plus en détail sur certaines licences, et pourquoi pas les plus obscures. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air, passer sur Utip et ou me tipper de quelques battes, et surtout, le plus important, partagez la vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien !